Justement, le tournage, ça m'amuse. Donc, maintenant, c'est pas une question de « Ah non, je l'ai pas eu celui-là et je vais pleurer pendant 5 jours. » Non, c'est « Ah bah, la prochaine fois, ça sera pour moi. » C'est pas une obsession, mais c'est pas un rejet non plus. J'aime beaucoup les films d'action, science-fiction, je suis plus cinéma américain. C'est pas pour autant que le cinéma français me déplaise, hein, mais... Voilà, par exemple, j'aime beaucoup les comédies aussi. Si je pouvais en faire mon métier, ça serait formidable, mais c'est un peu comme jouer au poker, hein. Le cinéma, c'est vraiment un métier d'hasard. On va pas passer sa vie à attendre qu'on nous appelle, quoi. Alors, vaut mieux faire ses études, avoir un diplôme, continuer ses études, et au moins se dire qu'on aura un boulot constant. Et en petit plus, on peut être acteur. Et si jamais la carrière d'école, là, c'est jackpot, quoi. Moi, ce que je voudrais, c'est tenter un peu tout, toucher à tout. Voilà, j'ai de la comédie, c'est fait. Maintenant, pourquoi pas d'autres? Et j'ai envie de m'essayer dans le drame. Enfin, j'ai vraiment envie de toucher à tout. Et de pouvoir... ce qui est génial, c'est de pouvoir choisir ses projets. Mais évidemment, au début, on peut faire des projets qui nous plaisent un peu moins parce qu'il faut une visibilité, il faut se faire connaître. Et c'est comme ça qu'on espère qu'évolue notre carrière. Moi, j'ai envie de voir un moment où de dire « Ouais, j'ai envie de faire ça et pas ça parce que ça, j'aime pas du tout. » Et ça, j'ai envie de le faire parce que ça me plaît. Et je pense que ce qui me plaît le plus, c'est le drame. Donc j'aurais envie d'aller faire ce genre-là plus tard. Mais après, je suis ouverte à tout et j'ai vraiment envie de découvrir un peu tout, quoi.